Invité d'En Aparté sur Canal+ ce lundi 27 février, Guillaume de Tonquédec a fait de rares et tendres confidences sur ses trois enfants, Amaury, Timothée et Victoire. Ce lundi 27 février, pour la première émission de la semaine, Nathalie Lévy reçoit Guillaume de Tonquédec dans En Aparté sur Canal+. L'acteur de 56 ans est à l'affiche du film d'Olivier Payon, Arrête avec tes mensonges aux côtés de Victor Belmondo où il joue Stéphane Belcourt, un romancier. On le retrouve également dans la nouvelle série de Et avec Kev Adams, à venir, dont le premier épisode est diffusé ce lundi 27 février sur TF1. Guillaume de Tonquédec très fier de ses trois enfants durant son échange avec Nathalie Lévy, Guillaume de Tonquédec a eu la surprise de voir apparaître sur l'écran un message de son fils aîné, Amaury, animateur et producteur sur BFM Business. Ce dernier interroge son père sur quand est-ce qu'il achètera du Bitcoin. Un sujet monétaire que l'acteur a longtemps traité avec son fils aîné. Au lieu de répondre à la question de son fils, Guillaume de Tonquédec a exprimé son admiration pour ses enfants, « Je suis très fier. Si est-il magnifique d'avoir des enfants. Si est-il extraordinaire, il faut être là, à différents moments de la vie. Je suis très fier de mes trois enfants. » Pour la petite histoire, Guillaume de Tonquédec est père de trois enfants dont l'aîné, Amaury ainsi qu'un autre garçon, Timothée et une fille, Victoire. Ils sont le fruit de sa relation avec sa femme, l'architecte d'intérieur, Christelle Marchal. Son fils aîné Amaury voulait embrasser une carrière d'acteur durant son échange avec Nathalie Lévy. Guillaume de Tonquédec a même confié que l'un de ses enfants, en l'occurrence Amaury, voulait embrasser une carrière d'acteur comme son père. Ce que ce dernier ne souhaitait pas. Je trouvais ce métier trop ingrat, trop difficile. Si est-il quoi le métier d'acteur? Vous vivez dans le désir des autres, d'un metteur en scène, d'un producteur etc. Et d'ajouter, j'ai emmené mes propres enfants sur les plateaux de tournage et de théâtre, aux avant-premières. Mais j'ai toujours eu peur pour eux comme si je n'avais pas envie que ça arrive. Mais si l'un d'eux m'avait dit, si est-il ça que je veux faire, bien sûr que je l'aurais accompagné, a-t-il assuré. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal. À lire aussi ça me bouleverse, Guillaume de Tonquédec fan de l'amour est dans le pré-Star Academy, ses révélations inattendues sur les émissions qu'il regarde.